Alors ensuite, après avoir été réglé le flou gaussien sur l'objet dynamique, je vais double-cliquer sur le réglage des courbes. Donc le réglage des courbes va me servir à faire tout sauf une courbe. Je vais juste prendre les extrémités et les bouger à l'horizontale, de manière à écréter la luminosité. Donc ce qui est très clair, ce qui est gris très clair va devenir blanc, ce qui est gris très foncé va devenir noir. Vous bougez et visuellement vous voyez ce que ça donne derrière. Donc l'idée c'est vraiment de s'approcher d'un dessin avec quasiment que des traits quoi. Bien. Donc ça c'était en double-cliquant sur le calque de réglage courbe du groupe 1. Vous avez le calque de réglage niveau qui permet éventuellement de modifier l'intensité lumineuse. Mais ça, ce sera peut-être intéressant une fois qu'on aura l'autre groupe qui sera affiché pour essayer d'aller doser les choses. Mais bon, malgré tout, calque de réglage niveau, on peut assombrir un peu les choses, dans mon cas en tout cas. Et voilà, pour ce groupe-là, pour l'instant, c'est terminé.